Il y a un an, je partais pour la première fois en vacances, seule et avec mes potes. Ça a été une expérience de dingue et je crois que vous avez aussi aimé à travers mes vlogs. Mais cette année, on a décidé de viser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. J'ai appelé mes potes, je leur ai expliqué le projet. Nous, une ville de dingue, et ma caméra. Oui, parce que j'allais quand même pas vous oublier. Ni une ni deux, le bac passé, on a décidé de s'envoler pour Lisbonne. Et je vous laisse avec mon intro. Vous pensiez quand même pas que j'allais oublier. Just going home. Alors salut, c'est Tom. Non, refais-le. Bonjour, je m'appelle Noémie. Fais quoi l'année prochaine? Passes. Encouragez-la. On est bien arrivés, je vais vous montrer notre appartement tout à l'heure. Coucou, donc là on a fini de manger. Pauline a renversé tout le sel dans son assiette. Horrible, c'était dégueulasse. Mes vlogs ils vont être nuls. Donc là on va se reposer un peu et on va aller faire des courses cet après-midi. Je suis vraiment désolée si ces futurs vlogs d'été sont bruyants. Est-ce qu'il y a des... Ok. Non mais non, c'est moi. Celle-là. Arrête de toujours vouloir être la star. Coucou tout le monde, donc là on est arrivé au Airbnb, je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai trouvé sur Airbnb parce que je m'occupe de tout durant ce voyage. C'est moi qui l'ai trouvé, mytho. Non, par contre, c'est pas trop chiant. Donc, ensuite, donc là, quand on arrive ici, il y a une petite fenêtre avec un resto où j'étais allée avec mes parents. Ensuite, quand on avance sur un canapé lit, regardez, je vais m'asseoir pour vous. Ça a trop bien marché. Voilà, donc on a des petits problèmes avec. Mais remets-le. Attends, je vais le remettre, t'inquiète. Ouais, c'est pas grave, je vais arriver à le remettre. Donc ensuite, il y a une petite cuisine. Des bois de cuisine. Ouais, ouais, ça va. Ah, c'est satisfaisant. Ouais, c'est merde. Tendancieux. Et je peux prendre une douche. Ah ouais, sympa. Bon alors là, nous vivons un retour de course. Franchement, ça coûte pas très cher. On en a eu pour 58 euros. Non, 52 euros. Donc vraiment, on a acheté grave plein de trucs. Enfin, on est trop contents, ça coûte pas du tout cher. Donc par exemple, voilà, prendre un sac au hasard. Ça, du lait. Du papier toilette. C'est important. Non, mais c'est important. Du rosé à la pêche, non, du champagne à la pêche, 2,50€, je vous en tirerai des nouvelles. Une remarque positive. Oh, est-ce que tu peux la... Il a dit qu'on avait de la chance d'être ici. Bref, là on va manger. Putain, il y a trop de bruit. Mais vous avez niqué mes vlogs. Comment on a des gens? Ce soir, on mange une petite salade de tomates avec du champagne à la. Et avec ça, on mange du riz blanc. Voilà. Seul. On est content. En dessous, il y a des courgettes. Mais on a laissé Tom cuisiner. Il y a Non, attends, je suis un autre. Mais c'est nul, c'est même pas du vrai champagne. C'est nul. Oh là là. Oh merde, je crois que je fais de la mousse. Bonnes vacances à tous, bon bac, au bac de maths. Non mais il faut faire chin chin en fait. Mais à la caméra? Oui mais doucement. Et ouais. Ça va, toujours dans l'excès. Attends, on va dire que c'est mon verre. Hein. Chin chin les copains. Ah t'as goûté, donc nous on
Ok, donc là, je suis totalement démaquillée. On part boire un verre, découvrir un peu la ville. Et voilà, enfin, pour l'instant, on va pas sortir en mode grosse soirée, boîte et tout. On verra ça plus tard. Bon, on est actuellement en train de rentrer. Je vous filme avec mon téléphone. Premier point, l'alcool. À Lisbonne, n'est pas du tout cher. Mais quand je vous dis que c'est pas cher, en France, pour avoir un mojito, tu payes genre 7-8 balles et encore 10 euros parfois. Tu peux m'éclairer avec ton flash. Ouais. Et là, 12,50€ le mojito. What the fuck? Noémie est en train actuellement de m'obliger à rentrer à pied, alors j'aime marcher. Mais pas dans ces conditions. Je veux dire, Lisbonne, il y a beaucoup trop d'escaliers. Donc je vous dis si on est arrivé un jour, parce que là, à mieux de jour. 3 minutes. Ok, donc coucou les gars, juste je vous retrouve le lendemain matin. J'ai pas eu le temps de finir le vlog hier, je voulais juste vous parler de Filmora quelques instants. Si aujourd'hui je peux vous faire des vlogs, c'est parce que Filmora m'ont donné accès au Filmora 9. Vous savez, j'utilise Filmora depuis archi longtemps, je l'avais acheté sur l'ordi de mon père. Enfin, mon père l'avait acheté, pour être honnête. Mais sur le mien, j'avais une ancienne version, ça buguait tout, bref, c'était un peu la merde. Et c'est vraiment un logiciel, enfin je vous le dis tout le temps, mais je fais tous mes montages avec. C'est un logiciel archi simple d'accès. Oula. Alors oui, il est payant, mais vous pouvez faire plein de choses. Il est hyper... Enfin, c'est rapide de monter avec. Et je trouve que c'est beau, enfin on n'en parle pas assez. Parce que tout le monde connaît les logiciels plus performants, mais moins celui-là. Et avec les nouvelles mises à jour, il permet vraiment de faire, je pense, une équivalence avec d'autres logiciels beaucoup plus perfectionnés. Et voilà, c'est archi simple, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire évidemment les choses de base, couper, mettre de la musique, fond vert, enfin tout ça c'est évident, mais vous pouvez faire plein d'autres choses comme les filtres que vous voyez souvent sur mes vidéos. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc voilà, sinon je vous dis bye parce que je vais éteindre ma caméra. Et je vous retrouve demain avec un nouveau vlog à 18h. Non, enlève ça déjà. Ça, tu vas le mettre dans le si gars. Ça finit dans le plafond, ça va le trouver. Faut que ce soit fluide. Non, tu commences pas. Wow. À faire des zooms. Non, c'est pas bien. Bon dia. C'est où je suis? Como esta? Non, c'est pas esta. Ah, je suis. Au tout doubet, c'est eu sou. Je suis français. Sou. Tu vois? Sou français.